notre place tous les mois à payer toutes ces putains de taxes qui sont distribuées pour faire vos restos, vos logements payés. Un ministre réglo pense d'abord aux Français. On paye les assurances en plus de la redevance. Pensez à nos enfants dans ce pays qu'est la France. Il y en aura pour tout le monde, pour les rockers. Bien sûr, il nous l'avait promis qu'il allait nous changer la vie. Jusque-là, il n'a pas menti. Au-delà du prix de l'essence, tout a augmenté en puissance. On ne fait que payer en France. Il nous procure une grande souffrance. Il nous démonte à 100%. Le roi du monde vit à l'Élysée. Son peuple râle, mais lui ne répond jamais. Il ne sait pas ce qui se prépare en bas. S'il se bouge pas, destituons le roi. Le roi du monde est mal entouré. Il a des ministres, mais qui répondent à côté. Il pense être comme nous, mais il y a un hic. Quand on sait pas combien coûte le SMIC. En 40, ils l'ont pas touché les nazis. Mais ce soir, je crois qu'ils ont eu envie de casser la voix publique, de casser la voix. On se bat en cendres. Au départ, on voulait juste se faire comprendre, pensant bien faire pour des causes à défendre. Mais les casseurs sont entrés dans la danse. Notre Marianne jusqu'aux Champs-Élysées. Là ça urge, faut une réponse de l'Assemblée. Cet été, on avait tous le poing levé. Cet hiver c'est pareil, mais on n'a rien à fêter. Tu me dis pendant 6 mois pas d'augmentation, mais après, c'est comme reculer pour mieux nos enculer. L'argent manque, c'est vrai, mais de quoi on se plaint par rapport aux autres pays qui souffrent et meurent de faim. Certains vivent des aides, certains vivent de rien. Certains travaillent pour vivre, mais en vain. Fais un mélange de tout et tu verras, la solution n'est pas loin.